Bonjour, bienvenue sur chinoisfacile.fr pour ce nouveau cours. 大家好,欢迎再次来上中文课. Aujourd'hui, Chinois Facile vous propose un cours utile pour ceux qui veulent partir dans un pays sinophone. Nous allons voir comment dire que l'on est malade en chinois ou que l'on cherche un médecin, un dentiste ou encore un hôpital. Commençons par le vocabulaire. 痛 ou 疼 qui veut dire avoir mal. Je répète, 痛 ou bien 疼 qui veut dire avoir mal. 病 qui signifie être malade ou maladie. 累 qui signifie être fatigué. 发烧 qui veut dire avoir de la fièvre. 度 qui veut dire degré. 觉得 signifie se sentir. 多 qui veut dire plus, nombreux ou très. 医生 ou 大夫 qui veut dire médecin. 医院 qui signifie hôpital. 牙医师 qui signifie dentiste. 退烧药 qui signifie le médicament contre la fièvre. 药局 qui signifie la pharmacie. Maintenant, nous allons voir les phrases. 我病了 qui veut dire je suis malade. 我头痛 qui signifie j'ai mal à la tête. 我肚子痛 qui signifie j'ai mal au ventre. 我牙疼 qui veut dire j'ai mal aux dents. 我觉得很累 qui veut dire je me sens fatigué. 我发烧了 qui veut dire j'ai de la fièvre. Question. Quelle température? La réponse. 38.5 degrés. 38.5 degrés. Où est-ce qu'il y a une pharmacie? 哪里有药局? Je répète. 哪里有药局? Je veux acheter un médicament contre la fièvre. 我要买退烧药. Je répète. 我要买退烧药. Où est-ce qu'il y a un hôpital? 哪里有医院? Je répète. 哪里有医院? Je cherche un médecin. 我找医生. Ou bien 我找大夫. Je répète. 我找医生. Ou bien 我找大夫. Je cherche un dentiste. 我找牙医师. Je répète. 我找牙医师. Et pour finir, sur une note positive, comment dire je me sens mieux? 我好多了. Je répète.
我好多了. À bientôt sur chinoisfacile.fr.